suis Temurige Tunaoglu, j'ai 21 ans. La vie de cette jeune étudiante a basculé en juin dernier. En recevant la couronne de Miss Tahiti, elle devient une véritable icône de beauté. Le comité nous prend en main. On a fait la tournée des sponsors. Vaya nous a accompagnés, donc avec les lauréates. Et ensuite, ils sont là pour la préparation Miss France. Ils nous aident pour se préparer physiquement, mentalement. Séance de sport, animation officielle, média training, Tunaoglu a désormais un agenda de ministre. Oui, c'est assez chargé, j'ai pas le temps de rien faire. Ça a changé parce que déjà quand tu sors, faut être apprêté, tu peux plus aller en pyjama comme ça, chercher ton plat à la roulotte à emporter. Enfin, tu dois être toujours présentable et propre, donc oui. Cette semaine, c'est son dernier shooting photo. Dans quelques jours, elle quitte Tahiti pour se préparer à l'élection de Miss France. D'abord, il faut être qualifié pour faire partie des 12 finalistes. Donc, d'après ce qu'on m'a raconté, ce sont les anciennes Miss. Ils vont noter le comportement, donc l'attitude là-bas. Le QCM aussi va compter. L'oral, parce qu'il y a un grand oral aussi là-bas. Ensuite... Il faut faire partie des 5 finalistes, donc après, ça c'est le jury qui décidera. Bon, moi j'espère faire au moins partie des 5 finalistes, parce que surtout qu'avec les 6 dernières Miss Tahiti qui ont fait podium, ça me met un peu la pression, mais ça va. Le 16 décembre, si elle n'accède pas au titre suprême, Tunaoglu reprendra ses études d'expert comptable. En attendant, elle vit pleinement son rêve de reine de beauté.